Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir le... Enfin on va voir. On va jouer à Clash Royale. On va tout simplement ouvrir des coffres. Pourquoi on va ouvrir des coffres? Bah pour voir si on a des sous et des cartes aussi. Eh ouais, ça c'est bon ça. Alors du coup, en premier, voilà, comme d'habitude on a des pièces, c'est jamais une surprise. On a des gemmes, c'est généralement le cas. Après on a une archer, bon ça c'est plutôt pas mal, comme ça on en a pas plusieurs, ça gâche pas les prochaines cartes. Seulement on a eu des gobelins, ce qui est extrêmement pourri. Enfin du moins parce que je les utilise pas, hein. C'est voilà. Ok, donc là on a eu des pièces, on a eu des archers, encore une fois les archers je les utilise pas. Ah, les chevaliers, là je commence à les utiliser, là ça commence à être pas mal. Ok, donc du coup bon, on y va petit à petit, hein. on prend le plus nul et on finit avec le meilleur, bien entendu. Donc on a 40 d'or, on a un squelette, pourquoi pas. On a 4 flèches, ça c'est bien ça. Ok, bon, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. c'est dommage. Il devrait augmenter un peu le nombre de cartes. 35 de pièces, ça c'est bien. 4 archers, bon je m'en fous un peu, mais bon. Soit il faut augmenter toutes les troupes, hein. Au moins tu maxes tout et au moins t'as fini quoi. T'es OP. Bon alors, après il y a quoi? 34 d'or, ouais, comme d'hab. 4 chevaliers. Tu vois, petit à petit, t'augmentes, tu vois. Une Valkyrie, c'est pas mal. De toute façon, quoi que ce soit, dès que c'est une art, c'est forcément tu gagnes, quoi. C'est obligé, quoi. Une art, même si tu l'aimes pas, une art, tu la revends 50 pièces, y a pas de souci, quoi. Enfin, tu la revends. Non, il faut que quelqu'un la demande, mais bon. Malgré tout, c'est un peu le cas, quoi. Ok, donc là, 2 squelettes. Pourquoi pas, je l'utilise en ce moment. 5 barbares. Ah, ça fait plaisir, ça. 2 boules de feu. Putain, maintenant je dois améliorer la boule de feu, là. Ah ouais, c'est la loupe, ça. C'est-à-dire, je vais devoir utiliser la boule de feu, alors que j'ai pas envie. Putain, c'est dommage. Bon, on verra bien. Ok, donc, on va ouvrir ça. 120, ok, comme d'habitude, hein, ça reste le minimum. 2 gemmes. 2 gobelins à lance. Pas mal, pas mal. 6 canons. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, les barbares, je les utilise pas encore une fois. 2 géants. Putain, mais au petit à petit, je vais pouvoir l'augmenter niveau 4. Hein. Eh ouais, mais truc de fou. Putain, dit. Bon. Donc, du coup. Putain, vous avez vu tout ce qu'il me reste à améliorer là? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Putain, trop chaud quoi. Ça fait 2000 points quoi. Enfin bon, c'est pas très grave. Bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. On va faire des combats. Ah mais tiens, à l'instant quoi. Genre à l'instant, c'est zoom. Il vient de me demander là. Et bah nickel. Ok, bah attends, tu sais quoi, on va juste améliorer quelque chose. Mais quoi, ça? Allez, le petit Bomberman. Le bombardier de mes deux, là. Hop. Bah nickel. Bah ouais, nickel. Bah nickel. Bon, bah voilà, on va se faire 2-3 attaques. Bon, les gars, j'ai décidé. donc, je ferai une coupure, hein. Enfin, je ferai un, voilà, une transition. Juste là, il reste 2h30, donc c'est pas non plus énorme. Donc du coup, je vais plutôt attendre. Je vais attaquer tout à l'heure. Et au moins, on sera des attaques, mais au moins, ça comptera sur les... Ça nous donnera des couronnes pour pouvoir ouvrir un coffre. Sinon, ça serait un peu du gâchis, j'ai envie de dire. C'est un peu le problème avec ça, c'est que du coup, bah, si t'attaques alors que t'as déjà des coffres, et ben tu peux pas les gagner. Et donc du coup, je sais pas, c'est... Imaginons, tu vas gagner un or, et au final, vu que t'as plus de place, tu peux pas le gagner. Et au final, tu gagnes pas. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ils sont pas assez clairs là-dessus, ils sont très chiants. Les créateurs sont très chiants sur ce genre de choses. Ils dévoilent pas assez, ça m'énerve. Tu te poses toujours plein de questions sur les jeux et ils répondent jamais, c'est vraiment très chiant. Donc voilà, donc je préfère pas prendre de risques. Imaginons, imaginons je gagne les 4 coffres. Et le prochain coffre que je gagne, c'est un Magic. Imaginons, je le perde et du coup je le gagne pas. Ça serait un peu con. Bon, ça se trouve, ça le laisse de côté jusqu'à que je puisse le gagner. Ou ça se trouve, bah ça me le fait jarter quoi. Donc je préfère pas prendre de risques. Et c'est ça le problème, c'est très chiant par rapport à ça. Donc voilà, donc je préfère pas tenter. Et puis on se dit à dans 3 heures ou un truc dans le genre, voilà. Donc c'est parti.
Bon, salut tout le monde. Ouais, alors là, ouais, bah. Parce qu'en fait, j'ai fait un truc. Je vais faire un truc et du coup, j'ai pas vu sa réponse. Et voilà, bah, ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Ouais. Bon. Bah, alors, juste, voilà, donc en fait, les 3 heures sont passées. On va juste ouvrir ce coffre, comme ça on s'est fait, hein, voilà. Hop, nickel. Voilà. Ok, ouais, donc ça, c'est fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. Comme d'habitude, on va prendre le meilleur. Et puis après, on va s'ouvrir ce coffre. Ouais, nickel. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Putain, je tombe contre un niveau 4, je vais encore perdre les mecs. Alors là. Ah! Oui, non, il y a peut-être moyen, ouais, effectivement. Ah merde, merde, il envoie tout ce qui est tir de. Oh, mais ça va, on l'a bien niqué! C'est bon ça quand même! Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. Ok, on va faire ça aussi. Ça, on protège un peu la base quand même. Mais ouais, on protège que dalle en fait. Putain, on protège que dalle! Hallucinant! Ah mais c'est un truc de fou quand on protège que dalle. Là, on va essayer mais bon. Franchement là on protège que dalle. Waouh mais putain le mec est niveau 4 s'il te plaît. J'en ai marre. Ce jeu est trop mal foutu. C'est un truc de fou. Le mec est niveau 4 mais comment il peut me niquer autant que ça? Il y a un moment faut arrêter les conneries. Putain mais j'y comprends rien. J'y comprends rien ce jeu. C'est un truc de fou. Comment le mec peut me niquer niveau 4? Comment... Déjà merde. Comment le mec peut avoir autant de troupes comme ça? Moi j'ai même pas mis une troupe que le mec il en a mis une dizaine. Mais c'est pas possible, ça va m'énerver ce jeu un moment. Il y a un moment, il n'y a pas de logique dans le jeu, il n'y a pas de logique. Bon. Alors déjà tu vois bien que c'est un enculé le mec. Déjà, tu vois que c'est un gros connard de merde. Donc, c'est très simple ce qu'on va faire. On va pas se laisser faire, tu vois. Tu vois, déjà là, il a le démon. Oh, mais alors là, mais je. Bon, mais. Je défonce le mec. Le mec, il a rien compris là. Putain, après j'ai fait ça moi. Ok, arrêtons les conneries. On va faire ça. On va faire ça. Là, clairement, il va niquer, mais bon. À la limite, c'est pas très grave. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va défendre quand même un petit peu, voilà. Et puis après, on va attaquer. Ok, voilà. Ça nous permet quand même d'attaquer un petit peu quand même, histoire de libérer le chemin, tout ça. Après, on va essayer d'attaquer directement avec le ballon. Ça m'étonne, je pense qu'il va nous barrer avec le dragon. Oh, il vient d'utiliser le dragon, il est con. Mais c'est, oh, mais il est trop sympa. Merci, franchement. Nickel, heureusement que tu sais pas jouer. Hein. Regarde ça, hop, bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Oh putain, merci. Oh, mais il est trop sympa. Le mec m'a dit bien jouer, quoi. Oh, trop sympa, trop sympa. Magnifique, franchement, mais c'était génial, mais génial. Tu vois, là, il y a plus de logique, tu vois. Le mec, bon, il s'est battu quand même, hein. Le mec, waouh. Et là, il y a plus de logique. Que tout à l'heure, le mec m'a défoncé, j'ai même pas eu le temps de prendre une tour. Comment c'est possible? C'était un truc de fou tout à l'heure. Là, ça passe bien. Mais voilà, ça, c'est nickel, ça. Mais ouais, c'est nickel. Mais c'est bon, ça. Ok. Ouais, carrément. Oups. Ok, ouais, ça, c'était un super combat, ça. Ça c'était cool, non? Bon, c'est vrai que c'est un peu con parce que
Il a même pas eu le temps de me niquer une tour, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. Et j'ai pas vraiment fait exprès. Ok, donc, du coup, attends juste une seconde. Ouais. Pas de soucis. Alors. Non. Putain, attends, voilà. Donc, coffre à couronne, qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. C'est parti. 126 d'or. Comme d'hab, quoi. Ça change pas. 199 gemmes, dis donc. 3 barbares, pourquoi pas. Un géant, putain. Bientôt, bien. Oh, regarde, plus que 3 géants et on a fini, quoi. C'est hallucinant. Une boule de feu, ouais. 12 gargouilles. C'est bon, ça. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, déjà, ce qu'on va faire, parce que... Hop, j'aurais pu ouvrir quand même tout à l'heure. Ok, donc ce qu'on va faire, bah on va rien faire, voilà. On regarde un peu ce qu'il y a quand même. Ok, ouais, si, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer une troupe. Ce moment, on va améliorer laquelle? Je pense que je vais améliorer celle-là. Qu'est-ce que ça donne si je l'améliore? Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Ok. Bon, bah, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. On a amélioré pas mal de troupes quand même, je trouve. On a presque toutes nos troupes bien améliorées là. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Petit à petit on augmente et ouais, ça fait plaisir. Ok, bon bah voilà. Ouais. Bon bah voilà, donc c'est fini. Je suis toujours à 880 trophées. C'est vraiment pas beaucoup, mais bon. J'arrive pas à augmenter, je sais pas pourquoi. J'ai pas la technique encore. Mais je vais sûrement l'avoir d'ici quelques temps. Donc voilà, donc du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop si la vidéo va être longue ou pas. Parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs, mais après, je sais pas. Ça dépend de ce que je vais faire. Et donc du coup, bah, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.